Par contre, t'es gênant. Je suis en mêlée. Bonjour, salut, salutations, désolé pour le temps de pause assez long, Kenny voulait apprendre à faire du cheval. Oui, c'était bien, c'était super. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite heure créative, on va dire, où Kenny m'a invité à lui apprendre à dessiner ou à se servir en fait de la tablette graphique. Sauf que il va falloir bien travailler, Kenny. Je vais apprendre à dessiner. Attends, je pube en même temps. Ouais, bah, je vais tout donner. Ah, moi aussi, j'ai pas pubé. Je vais apprendre à dessiner. Oui, mais attends, fais une fois que j'aurai pubé. Sinon, c'est gênant. Vas-y, parle avec notre audience. Dis-leur bonjour. Explique-leur ce qu'on va faire aujourd'hui. Explique-leur. Oui. Alors, en fait, en ce moment, je travaille sur un projet dessin animé qui fait que il faut. En fait, ce qu'on va faire là, ça va être notre intro. Ah. Alors, en fait, je vais t'expliquer ce que je veux faire de base. Donc, dans mon dessin animé. On a perdu un fil. Dans mon dessin animé, je veux faire une espèce, pour le moment, un truc un peu épique, une cinématique, épique, c'est-à-dire que, comment expliquer? Tu vois, c'est un peu genre les dessins qui ne bougent pas, mais qui se déplacent légèrement, tu vois ce que d'accord. Je veux dire? Donc du coup, il faut des éléments séparés, mais voilà. De beaux éléments. Voilà, de beaux éléments, Kenny. Voilà, donc je vais produire un de ces éléments. Voilà. Qui sera certainement supprimé et tu le referas. Non, je vais l'arranger. Ok. Mais du coup, voilà, on va faire plusieurs trucs. Et puis, de toute façon, en une heure, je pense pas, même moi, en une heure, j'aurais jamais fini cet élément qu'on va faire, puisque c'est l'élément le plus important de la cinématique. Ah, tu reposes tout ça sur mes épaules. Je peux l'enlever désormais. Oui, tu peux l'enlever désormais. Ok. Alors, ce que nous allons faire... Il est tout flex, j'adore. En fait, je vais t'expliquer l'histoire. Pour le moment, en fait, c'est un... oui, tu as vu ? C'est une espèce de distance, du coup, tu ne touches pas et pourtant, ça marche. J'ai eu peur. Les amis. Ok, ça va être très compliqué cette. Alors. C'est où? Ce que l'on va faire. Non, juste tu cliques. Et tu remontes, mais tu peux faire CTRL Z. Ou tu prends tout simplement la gomme. Non, j'ai cassé. Voilà. Voilà. Donc ce que je vais faire, en gros, c'est un personnage, quand tu commences sur WoW, quand tu sélectionnes ton personnage, en général, n'importe quelle classe que tu prends, il te le montre full stuff, comment il est, genre super beau, super classe et tout. Et moi, en fait, je vais faire cette cinématique du, on va commencer à être un guerrier, un troll guerrier du coup, et genre Vol'jin sera là, genre en mode super badass, genre tu vas te dire, mais putain, mais attends, si je commence en tant que guerrier, genre je serai ça, tu vois. Ouais. Et genre ça va être super bien fait et tout, et au final, bah, tu te retrouves avec tes guenilles, quoi. Ok. Du niveau 1. Mais ça, en fait, ça, je m'en occupe déjà. Donc, je commence à faire mon dessin animé qui sera en moins sérieux, en plus cartoonisé et tout ça, si tu veux. Et ça, par contre, ça va être la cinématique du début. Genre, la cinématique qui va donner envie. Et je compterai sur toi pour faire l'OST. Hein, parce que tu chantes bien, tu sais, genre. Voilà, ça te va. Voilà, ça me va. T'as qu'à regarder ça. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Oui. Ah ouais. Ah oui, les gars. Imagination de lui-même après donc ça, avoir fait ça. C'est un croquis. Fait au stylo. Voilà. Alors, je sais pas si vous le verrez, mais un croquis. Hein, donc, un croquis pour ça, c'est. Alors là, il y a un troll. Il est comme ça, avec ses petites papates. Tu vois, il est bien stuff parce que du coup, il a un grand chapeau, comme ça, avec des épines. Genre, mais tiens, ça, c'est un croquis. Ah, bah, toi, c'est une œuvre d'art, là. C'est autre chose. Ah, on a pas le... J'adore faire ça. C'est une passion. De t'as vu aussi. J'adore aussi. J'adore. Alors, du coup. Déjà, attends, avant de faire quoi que ce soit, tu vas aller dans le calque et tu vas rajouter un calque. Hop. Voilà, tu vas prendre une couleur bleu clair. Tu sais pourquoi? Plus cyan ou comme ça? En fait, c'est comme tu veux. En fait, bleu clair. Parce qu'en fait, ça, tu vas faire ton croquis, c'est-à-dire que tu vas faire tes traits, tout ça. Ouais. Et quand tu vas refaire encore un calque par-dessus, tu vas le remplir et tu vas le refaire au propre en noir. C'est-à-dire, tu vois, tu verras la différence que tu veux enlever ou pas. Donc, ok, d'accord, moi, pas ça. Con. Tu choisis le brush que tu veux. Moi, en général, je prends le 27. Mais c'est en bas, il est vers le bas. Voilà, en général, je prends toujours le 27 et après je le réduis. Enfin, c'est pour avoir l'espèce de brush bizarre avec des points okay. Partout. On réduit un peu. Voilà, 6, voilà, si, c'est très bien. Ouais, que dalle. Après, peut-être parce que j'appuie pas assez fort, non? Voilà, tu vois. Ça va être vraiment impossible, hein, ça va être dégueu. On va essayer. Alors, ok, comment je fais pour savoir comment dessiner un personnage? Est-ce qu'on fait pas un truc genre... Tu sais, non, mais très sérieusement, tu sais, avec genre par exemple, du coup, si je prends le perso, je fais un truc comme ça, je vais faire une épaule là, tu sais, un truc, un bras avec une articulation. On fait pas des trucs comme ça normalement? Tu te débrouilles très bien.
Non mais c'est non, dégueu. Non, c'est pas une blague. Non, c'est bien parce que regarde. Parce que je sais gros, qu'en dessin on fait des trucs comme ça parfois. Bon, moi j'ai, je veux dire, j'ai plus besoin de faire. Alors normalement si quand même, mais en gros, du coup t'as une technique différente. Bah en gros normalement, moi je commence par un truc, donc ça ce serait la défense, tu vois. Enfin je sais pas, j'ai une connerie. Là ce serait la défense. J'arriverai au nez, hop, enfin très très ça vite. Je sais pas trop comment t'as fait ça, parce que moi j'aurais pas fait ça comme ça non pas du tout. Non c'est très bien. Genre tu vois je serais parti un truc comme ça. Enfin genre j'aurais gribouillé un truc si tu veux et moi directement. Et en fait, tu pars de ça. J'attaque directement par la défense. Si tu veux, par ça. Mais ce que tu peux faire, c'est on va le construire rapidement. Donc en gros, sa tête, on va dire, ça fait un truc comme ça. Comme ouais, ça, c'est comme une ça. Sorte, voilà, c'est une sorte de losange bizarre, on va dire. Ici, on va dire que tu as une oreille. Ok. Donc là, tu auras le nez qui va. Oui. Et donc là, tu auras le nez qui va sortir, on va dire. Ok. Bon, ici, ce sera les cheveux, on s'en fout. C'est exactement ça. Oui, oui, oui. Alors attention, parce que là, on a des... Des barres. Alors vu qu'on a des barres, en fait, parce que Jill m'a demandé comment on fait sur Photoshop pour faire un calque qui fait dessin animé, mais surtout qui s'adapte à tous les écrans. C'est un calque donc vidéo, c'est un calque numérique. Attends, j'essaye un peu. Qui permet d'avoir des bords perdus, ce genre de choses, pour s'adapter à toutes les résolutions. Le problème, c'est que ben, justement, ces repères-là, les petites lignes bleues que vous voyez en haut, en bas, etc., ben, en fait, accrochent le pinceau. C'est mieux. Donc, genre, si tu essaies de faire un trait qui tourne un petit peu là-dedans, tu verras qu'il va s'accrocher aux barres normalement. C'est mieux. Parce c'est que mieux ça fait un trait, genre, quand tu commences, il finit fin. Je sais pas si vous voyez, mais en gros. Ça fait un truc genre, bizarre. Genre, il s'accroche, tu vois. Ah, ça fait super bizarre. Ouais, donc du coup, je sais pas si on va faire un nouveau calque en 1920x1080 tout simplement. Et oui, je m'arrangerai moi. Non mais on va le faire en normal, ça ira très bien parce que là du coup en fait le calque film vidéo est bien mais il faut savoir l'utiliser, je ne sais pas l'utiliser. Moi non plus. Du coup on va choisir un calque comme ça en 1920x1080. Par contre attention là on est sur des pixels inch, c'est très bizarre, on va dégager ça tout de suite. Voilà, juste pour refaire le calque histoire que ce soit bien fait. Ça okay. va. Vol Jean. Voilà. C'est bon ? Oui, et là, tu refais okay. le calque, ah oui, exact. Le layers. Voilà. Donc alors, je vais essayer de faire du coup la forme de sa tête. Ça va être infâme, hein. Putain, je le sens que ça va être. Mais tu peux te poser hein, sur la tablette. Genre moi, je me pose tout le temps sur la tablette en fait. Ok. Et le truc le plus à l'aise, bon, moi, j'arrive à dessiner quand la tablette est droite devant moi. Ouais. Vas-y Kenny, j'ai non, confiance. Non mais t'inquiète, je vais essayer de faire un truc, admettons que ce soit quand elle est droite devant moi, et il y a des gens qui préfèrent, sinon je te la mets plus vers toi et je la baisse, tu vois, pour que ça fasse plus dessin, si tu préfères. Donc c'est toi qui vois. Donc voilà, en gros, c'est trop mignon. De quoi ? Non mais j'essaye, écoute. Oui, je donne, regarde, il est trop mignon avec ses petits cheveux là. Il est choupi là. Il a des knackis. Non, l'oreille elle est plus genre... non pas du tout. Le calme Kenny, reste très calme. Ok, donc on a un bout de truc. Ensuite là on a un espèce de cou, un truc qui semble être un cou. Oui c'est ça. Avec une épaule ici. Mais en vrai tu sais en partant de ça tu peux refaire après les détails et tout par dessus, c'est bien. Bah ouais en fait moi mon dessin me prendrait très longtemps à faire. Tu mettrais beaucoup moins de temps à le faire normalement toi. Mais je sais pas si je l'ai fait un peu. Tu vois à chaque fois je l'ai fait beaucoup trop gros là par exemple. Tu vois c'est dégueu. C'est un tout petit peu trop gros. Mais l'épaulette en vrai tu peux la garder en fait. Ici, à partir d'ici, c'est bien. C'était juste un peu trop large par rapport à ici, tu vois. Donc là, ici, plus comme ça. Voilà, plus comme ça. Ok. Puisqu'après, t'as le torse, en fait, qui va venir par-dessus. Parce que là, du coup, on a genre ça. Ouais, ça. Après, tu vois si tu le fais tout avant, moi. Après. Non, mais genre là, je le fais grossièrement, tu vois, pour tester. Puisque bon, je maîtrise un petit peu le dessin, quoi. C'est mon oxygène, quoi, le dessin, au final. Hein. C'est un petit peu ça. C'est ta passion. Ouais, c'est ma passion, quoi. Admettons, voilà, bon, ça ressemble pas à grand chose hein, après. Non, voilà. Mais c'est bien, j'aime bien. Moi, ce que je kiffe faire par contre, c'est la période de gribouillis. Ouais. Ouais. Et voilà, là on a une main par exemple, admettons. Ok. Voilà. Du coup, ensuite on a un torse qui descend de cette manière. Vas-y. Un truc comme ça un petit peu. Là on a une épaule encore. Alors, je sais pas du tout dessiner, hein, donc c'est dégueu. Hein. Non, mais c'est pas grave. En vrai, les proportions, c'est ok. La tête, devrait être un tout petit peu plus grosse, mais ça, tu peux toujours, tu sais, la cut et la grossir un tout petit peu. Mais en vrai, les proportions sont c'est pas dégueu. C'est ok, c'est ok. Oui, c'est bien. C'est Onyx. Non, c'est pas Onyx. Non, mais en même temps. Il essaye, arrêtez. Oui, jugez pas trop, les amis, c'est pas facile. C'est pas facile. Admettons.
Admettons. C'est vrai, en vrai, c'est un compliment. Ça ressemble à un mecha dans un manga. Ok, bon, admettons que ce soit plus ou moins la forme. Oui. Les jambes, ça sera offert. Les jambes, c'est des. J'avoue, il est en mode. Ah, salut les mecs ! C'est moi le jean ! Alors, je vais essayer d'être tendre avec toi. Ah. Ce que je veux te dire, c'est que. Comment dire ? Tu vois, t'es. Ça. Enfin, genre, attends, je vais leur montrer avec. Il a des jambes de coq. En fait, ceci. T'inquiète pas, je l'effacerai. Ça doit être un petit peu plus long, genre. Ça doit venir plus difficile. Je sais pas faire les proportions, moi, je vis nul. Non, mais pourtant, c'était bien ça. Oui, mais je vis nul quand même. Oui, je comprends, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Attends. Voilà. Oh non ! Ah, c'est bon, elle a enlevé que son truc. Oui, j'ai enlevé. Et voilà, c'est long, maintenant ça m'a saoulé là, je suis plus sur. Ça m'a fou saoulé. Vas-y, prends. Et là maintenant, tu vas commencer à faire la tête en détail. C'est-à-dire que même si c'est la même couleur, tu vas croquifier un petit peu plus que tu as vraiment cubisé. Ok, donc on zoome sur cette tête. Là, c'est bien. Et on va essayer de. Là, c'est bien. Attends, on va se mettre en mode dessin. Tu vois. Voilà. On va se mettre en mode dessin. On est sur quelle couleur ? Je ne peux plus revenir en arrière. On va utiliser le CTRL Z. Ok. Vas-y. On va changer de couleur. On va changer de couleur. Parce que advienne que pourra, voilà, on va utiliser. Tu peux mettre un nouveau calque si tu préfères. Comme ça. Bah, on va mettre un nouveau calque. Comme ça, déjà. Tu peux effacer si tu vois un truc qui te gêne. Ouais. Oui. Alors c'est marrant de laisser le mec qui sait pas dessiner. Combien ça coûtait cette tablette ? Oh, elle m'a coûté... 1 million d'euros. Non, en vrai, non, ça va. Elle m'a coûté le 575 pounds, je crois. 575 pounds, c'est-à-dire 1 million d'euros 5. Non. Pas du tout. Okay. Non, pour une tablette à écran, c'est vraiment pas cher. Parce que de base, moi, je voulais une Cintiq, une Wacom, des trucs comme ça, tu vois. 1200 euros. Minimum. Mais ça va être trop moche, regarde, c'est une oreille. Mais non. Concentre-toi, Kini. I am nul. Tu veux, je t'aide après. Mais est-ce que je dois le faire genre d'un trait sûr, tu sais, comme ça? C'était bien ce que j'ai fait là. C'est non, en vrai, c'est bien ce que j'ai fait. C'est bien ce que t'as fait là. Je suis là, je suis en mode putain, mais tu sois plus sûr de toi dans la vie. Qu'est-ce qui se passe? En vrai, j'étais là en mode. Alors en fait, on va faire un vol jean ici, vol jean. Non, en vrai, c'est pas. Là, c'est bien. Ne la bouge pas celle-là, d'accord? Je touche plus. Très bien. Maintenant, alors toi, t'as commencé le repère avec les oreilles. Moi, je commence avec les défenses. Ah! Mais c'est pas un problème. En gros, avec l'oreille. Tu peux éventuellement essayer de faire les yeux ou essayer de faire le bas de la bouche pour après attaquer les défenses. Tu vois ce que je veux dire ? Faut pas que, genre, tu te. Enfin, moi, c'est ma technique. Faut pas que je me focus sur un truc et que plus loin je fasse un truc. Parce que si après je les relis, c'est moche, tu vois. Ouais, mais c'est pas. Je sais pas par où commencer, c'est infâme, c'est trop dur. Le talent s'éveille. Non, mais les gars, j'ai fait une oreille, hein. Calmez-vous et c'est non, une mais, forme. Attends, donc, mais c'est bien, c'est bien. D'accord ? Ou tu peux même partir sur les cheveux d'abord, tu vois ce que je veux dire? Puisque alors ça comment on fait des cheveux, tiens? Est-ce que je... Attends, excuse-moi, vas-y, montre-moi. Non, moi en général, les cheveux, bon, imaginons... Fais une forme et après tu dessines à l'intérieur. Bon, imaginons, c'est le visage de quelqu'un, voilà, il y a son petit nez, tu vois. Ouais, exact, ouais, le visage, ouais. Hop, là il y a ses petits yeux, ouais, je suis super content. Et du coup, t'as plusieurs, alors, plusieurs façons de faire des cheveux, soit tu les fais partir comme ça, enfin, tu vois, genre, je sais pas. Et moi, en général, j'ai l'habitude... en gros, imaginons là, t'as une touffe de cheveux qui descend. Et moi, en fait, je vais faire ça pour remplir, en gros, ouais. le manque. Et je vais faire ça aussi pour attaquer ici, pour que ça donne un. Tu sais, dans les mangas. Un effet de reflet, genre. Voilà, dans les mangas, ils sont souvent comme ça, les reflets. Ouais. Et ben, moi, en fait, je le fais de façon que ce soit comme ça, en fait. Pour que ça fasse un peu plus. C'est méga stylé. Tu vois, chelou. Bon, moi, je fais ça. Mais non, c'est bien. Ben, c'est la touffe de ce qu'il aura, le nul, que j'ai fait. Super content. Oui, c'est vrai, c'est un prince. Kini. Hop. Oh, c'est j'ai fait exprès bien. De l'écrire comme un bolos. Et hop, on signe. C'est ta signature ? Non, pas du tout. Attends, c'est pas mon écriture non plus. On dirait un papillon, un nœud papillon. Mais c'est bien. En vrai, ton oreille est bien. S'il y a un truc que je peux te reprocher, un seul, c'est que ici, toi, tu vas faire directement ça, je suppose. Enfin, tu vas te baser directement là-dessus. Vas-y, efface, s'il te plaît. Oui, j'ai fait plusieurs. Alors qu'en vrai, je partirais plus... Oui, c'est ce que je voulais faire, vois, mais justement, je savais pas comment partir, en fait. Plus dans ces eaux-là, et après, c'est à toi. Est-ce que je peux faire, genre, un deuxième jet un peu plus précis, puis un troisième encore plus précis? Oui, tu vois ce que peux. Je veux dire bah, c'est le croquis, là. C'est vraiment aspect croquis. Ok, ok. Comme ça, je vais garder ça. T'as très bien fait le travail. Non, mais... c'est juste pour ça que...
Non, t'as bien fait, t'as bien fait. Regarde, regardez, regardez-moi cette adresse. Alors, pas du tout, il a pas une mâchoire qui part un petit peu comme ça, donc il est libre. Non, mais c'est bien, tu commences à prendre le trait, c'est bien. Et admettons, du coup, il a genre une bouche comme ça. Et à partir de là, en fait, c'est là où on a la défense. Je l'ai mal faite. Elle est très mal faite. Non, mais c'est, ça commence à venir. Mais en vrai, je vais garder ça. C'est quoi, je vais pas être trop difficile avec moi-même. Mais tu pourras le rectifier juste après, en fait. Quand oui. T'auras fini ton croquis, tu regarderas, tu reculeras, tu diras, alors ça, ben, je vais plus le mettre à gauche, tu vois. Et ça se changera, en fait. Exact. Ok, attends, du coup, il a genre une espèce de forme ici, vite fait, voilà, en admettons. C'est bien. Là, t'as quelque chose, tu poses la deuxième défense ou tu vas d'abord faire le nez? C'est une question que je te pose qui est sérieuse. Puisque le nez est par-dessus, je vais faire le nez d'abord. C'est bien. Voilà. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi. En fait, attends, je suis mal parti, ça m'a saoulé. C'est en longue dans One Piece. Oui, j'avoue. Il a un nez comme ça avec les pics au-dessus? Non, c'est sur le côté, lui, je crois. C'est pas sur le côté? Si, c'est sur le côté, tu as raison. Tu as absolument raison. Exactement. Faut pas être trop près. Quoi? Ok. Pourquoi pas, les gars? Oh, attendez, je me concentre. Les deux autres dessins ouverts en haut. Il y a pas deux autres dessins. Ah, il y a deux autres trucs en fait. Et ils se demandaient ce que c'était. Oula. Ouais. Ah non, non, c'est. Ah non, c'est rien. Trop bien d'utiliser. Ah. Ah oh, mon dieu. No man, my dessin. Tu vas devoir tout recommencer. Non. Oh non, pas encore. Oh non, non, j'avais bien fait. On n'a pas sauvegardé. Ah, il y a tous mes trucs, Star Wars et tout. Il y a Boba Fett et tout. Star Wars et tout. Ah non, c'est bien, ils ont tout gardé. C'est lui. Donc lui, le PC de la TPU. D'accord. C'est pas grave, Kenny. Tu sais, des fois, quand c'est comme ça, c'est que c'est le destin. C'est genre... il faut s'accrocher. Exact, oui, l'accrocher, oui. On va le sauvegarder dans document, on va l'appeler Vol'jin. Voilà, comme ça, on a sauvegardé. Alors, on va prendre... Alors, je vais vous montrer, faire un petit tuto dessin, les amis. Alors voilà, on a pris le bon brush, pas encore. Ah oui, parce qu'on n'a pas cherché les brushes, donc on appuie sur le petit bouton du stylet. On va... Pardon. Ouais, sinon, bien sûr. On peut partir sur les formes, les différentes formes du corps. Écoute, n'essaie les pas. Positions. Non, mais n'essaie pas d'interférer dans mon tuto, s'il te plaît. J'ai une audience qui me regarde et qui me suit pour mon talent en dessin. Alors, du coup, si pour commencer, il faut faire la forme de la tête. Donc, commencez tout de suite hein, avec un petit trait sûr, hein, comme vous en avez l'habitude. Hop, 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 voilà. Ensuite, une petite oreille, hein, une petite canine ici. Là, on a une deuxième, là, on adore, avec des cheveux, hein, bien sûr. Bon, là, je vous apprends rien, les gars. Ici, on a une épaule. Hop, hop. Hop! Non, bah, il est trop mal. Tu veux que je te refasse le croquis? Oui! Allez, je m'en occupe. S'il te plaît. En croquis, alors, on va partir sur un peu plus fin, parce que j'aime pas ça, Kenny. Tu as commencé à faire de la merde, et ça, j'aime pas. Tu as raison. Hop, on va partir sur. Moi, je commence toujours par la défense. D'accord. Voilà, on part sur la défense. C'est bien fait. Tais-toi. Soulé. En plus, normalement, je déteste dessiner à côté de gens. Non, t'es en train de dire que t'es à 60% de ton talent. C'est énorme ce que tu produis. Pourquoi tu dis ça? C'est cool ce que tu fais. Tu viens de dessiner le nez là. Oui. Très bien fait par contre, j'aime pas trop. Hop, là, il a une espèce de... Voilà, hein, parce que je l'ai rajouté, je sais pas pourquoi. Donc tu veux le faire tout en détail en fait? Vraiment tout en détail? Ça c'est pas du détail pour moi. Ok. Mais là par exemple, tu vois, c'est super détaillé. Oui, ça c'est super détaillé, mais ça se fait plus tard. C'est la version finale, toi? Tu veux vraiment un non, style de dessin comme ça? Alors, en fait, je voudrais carrément le faire dans un genre un peu pas pastel, mais tu sais, genre comme les gens qui le font à l'aquarelle, et genre que ça bouge que par grosse partie. Tu vois ce que je veux dire? Tu imagines? Genre juste les... le bras, juste un oui, autre bras. Oui, juste les trucs comme ça, un peu en mode super. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, il faut faire plusieurs calques indépendants les uns des autres. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est chiant. Mais bref. En gros, voilà, t'aurais la deuxième. Là, hop, ça part ici. Donc ouais, effectivement, là, ça ressemble pas du tout au truc que j'ai fait au début. C'est énorme. Hop. Voilà, et pour moi, en fait, genre, c'est pas du tout détaillé, ça, tu vois. Non, mais j'ai pas dit que c'était détaillé. C'est pas détaillé du tout, mais alors, à terme, parce que quand je vois ton croquis, ça l'est quand même pas mal. Hop. Ici, t'as l'œil.
Et ici, il va commencer à avoir les cheveux. Donc on va partir là-dessus. On va dire, voilà, ils vont... Hop, ils vont aller là. Ah, on va faire l'oreille ici. Même de grandes oreilles, hein, les trolls. Hein. Oui, il est vrai. Hop. Oh, c'est trop stylé ce que tu dessines. Voilà. Oui, bah et ça va aussi. La suite, voilà, où est-ce que t'en étais. Je t'ai aidé. Essaie de sauvegarder au cas où. Bolgin. Ouais. Alors, les rageux, on vous entend moins là? Allez hop, je supprime de cette manière. L'image de base, c'est un croquis que j'avais fait au stylo bille. C'est ouf. J'efface comme ça. On dirait un enfant. Mais tu vois, moi, je le fais par partie. Comme ça, je vois si la proportion me plaît direct, en fait. Oui. Proportion. Les proportions. Et n'oublie pas d'enregistrer au cas où pour toi, parce que je recommencerai pas. Vrai. Alors, on va Vas-y. Continuer. Alors là, je t'ai mis en gros, voilà. Là, tu peux direct te prendre la continuité du menton jusqu'à l'oreille. En fait, je t'ai fait tes deux points, le point A, le point B. T'as plus qu'à faire le trait d'arrivée. Je compte sur toi, Kenny. T'imagines dans. Non. Il est pas bon du tout. Hein. Arrête de te moquer, putain. Pardon. Non, mais attends. Pas. T'imagines. Dans la cinématique, il y aura Volgin fait par Jin et le menton par Kenny. Ce sera génial. C'est pas beau. C'est nul, non? Jin, aide-moi, c'est moche. Regarde, tu fais déjà une erreur. Regarde ici. Regarde bien. C'est pas ça? Ici, ça rentre. Ici, toi, il grossit. Hein? Voilà. C'est vrai qu'il est un peu bouffi quand même. Oui. Hop, regarde, ça rentre. Hop, alors. Sauf que, deuxième erreur, encore la même. Entre ceci et quand ça part ici, parce que voilà, hein, ça vient ici, et après, ça fait ça. Toi, il est parti comme ça, comme ça. Moi, il est parti de ce côté. C'est pour ça que nous faisons des lives à deux afin de démontrer les erreurs pour les viewers. Merci d'avoir suivi mon call. C'était bien évidemment fait exprès. Donc, merci, Jill. Et maintenant, il va falloir refaire ici aussi. Alors oui, je te remercie de me filer ce stylet parce que c'est quand même moi l'artiste ici. Vas-y. Ok, donc ça fait genre... Hop. Non, c'est bien. Oh, c'est bien. À la fin. La fin est bizarre. Il a un kyste. En vrai, ça va. Et tu peux même, si tu préfères, la sélectionner, la déplacer, voir comment toi tu veux la mettre. Comme si dans Minority Report, je peux faire genre... Ouais, tu peux. Non, par contre, ça tu peux. Pour la déplacer? Mais enfin, Kenny, c'est toi qui connais Photoshop. Ah, mais je croyais qu'il y avait une stratégie spéciale. Non, tu fais ça, tu fais... Ah ouais, non, mais nul, zéro, dégage, ça m'a saoulé. Non, je rigole. Mais en vrai c'est, je pensais qu'il y avait un truc magique comme le bus. Alors, attends, du coup, là, t'as fait ça, mais c'est pas bon, ça. Ça, c'est avant la corne, alors que là, c'est derrière la corne. De quoi? Le sourcil. Là. Non, regarde celui-ci. Parce que c'est ça. Son deuxième sourcil, en fait. Ouais, bah c'est pas bien fait. Hein. Il est ici, en fait, pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bof. Hein. Non, mais c'est bien, Kenny, tu vas y arriver. Elle va Sauf te qu'en critiquer, plus, c'est même pas vraiment Volgin, parce qu'il a pas ces défenses-là, Volgin. Ah ouais, c'est défenses plus. C'est un troll lambda. Ouais, juste la coupe à Volgin, quoi. Ça, j'aime pas trop. Voilà, oui, c'est vrai. Un deuxième ici. Ok, bah c'est fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Non, courage, non, tu peux y arriver. Alors, j'ai trop envie de voir le résultat final. Oui, mais on l'aura pas pendant l'heure, hein, crois-moi. Et on dirait une folle plutôt. On dirait une folle. T'as fait ça au stylo bic? Ouais. De ça se voit ici, je me suis loupé et j'ai dû rattraper. Ah, c'est vrai que là, il a une moufle hein, quand même. Il avait une grande main. C'est un peu de la merde. Alors, comment on peut s'y prendre? Ah, ok, d'accord. Non, pour décider en modèle, là, il a un petit truc là. Voilà. Là, il a un truc qui part un peu comme ça, pas du voilà. tout. Voilà, enfin, si, c'est presque ça. Mais en fait, tu vois, c'est à cause de la grosseur de la défense, en fait, qui fait qu'il a un pli. Oui, bien sûr. Voilà. C'est bien. Heureusement que t'as pas vu ça. Qu'est-ce que... C'était nul à chier. Tu peux me le remettre, s'il te plaît? Non, non.
Non, 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 non. Allez, hop, on dessine comme ça, on annule tout. Oh, t'as alors, on arrête pour le visage, on en reste là. On en reste là ou on détaille le visage? On va dire que le détail. Le visage, c'est ok. Maintenant, tu vas attaquer. J'ai bien, tu me fais trop rire. Tu vas attaquer à partir maintenant le cou. Ah. Alors le cou, regarde bien. Comment cela? Où est-ce que c'est placé au niveau du trait? C'est un truc comme ça. Qui? Un truc qui ressemble plus ou moins à ça. C'est bien. Et là, c'est comme c'est un troll et qu'il est en mode. Comment il fait? Oui. C'est ça. Oui. Voilà. C'est bien. En vrai, t'apprends vite. Hein. Non, après, mais... comme j'ai jamais pris de cours de dessin, je sais pas comment bien apprendre les bases en fait. C'est genre moi, je t'apprends ma façon de que j'ai appris, tu vois. Ouais. Du coup, c'est chiant parce que c'est peut-être pas la meilleure. Ouais. Là, c'est bien, Kenny. Eh, hey, en vrai, ça va. Hein, il est pas dégueu. Après, c'est parce que c'est moi qui fais le nez et les défenses. Exact. Mais... je t'embête. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Je sais pas du tout si c'était comme ça qu'il fallait le faire, mais pourquoi pas. Tu vas y arriver. Non, c'est moche as fuck. Non, non, tu vas y arriver. Putain, mais je vomis. Non, c'est bien, Kenny, n'abandonne pas. C'est moche. En vrai, non, ça va, je déconne pas, regarde. Fais le trait du cou, déjà. Le trait du cou qui... C'est genre, le... ça, genre. Voilà ce qu'on a. Tu t'en fous, même s'il est, voilà, ouais. Un peu, voilà. Tu vas faire maintenant l'épaulière. Suite. Tout de suite. Épaulière, c'est plus grand. C'est pour protéger. Oui, c'est la première partie. Ah oui, j'avais pas vu, pardon. J'avais même pas vu la partie de mon dessin. J'arrive à faire des traits. Putain, mais comment tu veux que je fasse ça? J'arrive pas. Attends. Je panique, Gilles. Ah non, on a pas la place. Eh ben, tu le déplaces. Tu prends ça et tu le déplaces. Exact. Tu le mets où tu veux. Voilà. Je peux le déplacer parce que si je change la taille, ça va. Tu m'as fout le saoulé là. C'est bien. Ok. Ok. Où est mon dessin? Non. Il est là. Je m'en remets le dessin, j'aime pas. Alors. Vas-y. Alors, on va continuer du coup. Si je peux te donner un conseil, hein, c'est de dézoomer tout. Parce que là, tu ne vas pas voir la taille que ça aura en fait. Ça se trouve, tu vas faire un petit truc, genre super bien fait. Et quand tu vas dézoomer, tu vas dire, ah, bah merde, c'est trop petit. C'est très ridicule. Mais bah, du coup, c'est drôle. Donc là, ça protège toute l'épaule, sauf que là, c'est gigantesque ce que je viens de dessiner. Mais non, en fait, non, c'est plus ou moins la taille, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'en soi, les armures, elles sont quand même badass, hein. Bon, admettons, si on arrive comme ça. Et du coup, là, il faut que je dessine. Non, mais plus ou moins, tu vois. Oui. Et après, du coup, il faut que je dessine ce petit élément. Oui. Qui se retrouve là, donc on le double pour donner du volume un petit peu, si on veut. C'est ça. Ouais. C'est bien. Hop, si on va pas mettre. Putain, c'est trop dur. En fait, j'ai trop de mal à savoir où se trouve mon stylet. Je comprends. Et du coup, là, on a genre. Dis-toi que j'avais ma tablette sans écran, sinon. Ouais, non, ça va. Ça, c'est terrible. Ça. Mais tu t'en sors. Merde. Ouais. Ouais, admettons. S'il dessine trop petit, il peut agrandir, c'est pas grave. Oui, mais je vais lui apprendre à pas dessiner trop petit. Direct exact. Comme ça, boum, bien. Vas-y, Kenny. Ouais. Ouais. Non, mais. C'est pas facile en vrai, vous jugez, mais c'est vraiment pas aisé. Non! Kenny! Mais comment je fais? Un peu plus de concentration. Qu'est-ce que tu penses pour l'instant de son Vol'jin, Maxildan? En vrai, ça va, hein. Enfin, je suis fière de toi, t'as jamais dessiné? Exact. Comme dit Max, il me ressemble un petit peu. Les défenses. Oui. Non, c'est pas une Cintiq, c'est une... Ugi 19. C'est pas Cintiq? Je sais pas, moi j'ai toujours dit Cintiq. Ouais, j'aime pas les gens qui disent Cintiq. Cintiq, pardon. C'est Cintiq ou Cintiq? Cintiq? Non, j'ai raison, j'ai raison. Pas quand j'ai la raison. Alors après, ça me perturbe. Ça me perturbe. Après, comment lui apprendre à mal faire? Bah... Je suis pas prof et j'ai appris comme ça. Et je m'en suis bien sorti au final. T'as quelques années de pratique, c'est bien. Tu vas pouvoir le faire. Après quelques années. Probablement. De toute façon, j'ai pas de tablette. J'ai toujours voulu en avoir une. Mais c'est une UGE19. Donc UGEE19.
ça m'a saoulé. Bon, on va dessiner la rage. Au pire, fais en full, tu t'en fous, quoi. Tu sais, genre, tu le rectifieras plus tard. Oh putain de merde, je suis trop nul. Regardez-moi ça comme je suis nul. Les gens sont avec toi sur le chat. Kenny, mec, le nul. Kenny, mec, je suis avec toi, toujours. Non, vas-y, Kenny, t'as entendu le chat? Dis Kenny! Kenny, j'arrive plus Kenny. À faire ce truc, je suis full chiasse. C'est pas grave, tu feras après. Mais en attendant. En vrai, on peut pas attendre. J'y arrive pas. C'est dur. Bon, ça va. C'est pas grave. Tu as essayé. S'il y a un truc que tu as fait de mal, et je vais te le dire parce que je suis quelqu'un d'honnête, il y a du volume ici. Toi, tu m'as fait un trait, en fait. Donc, je vais le montrer au public. Tu m'as fait un trait qui fait ça. En gros, et tu m'as bêté. Ah, c'est surélevé, là. Tu m'as fait un trait comme ça, en fait, droit. Tandis que, t'inquiète pas, j'efface. Tandis qu'en fait, il aurait fallu... on coquette à ça. Et en fait, ça fait un truc un peu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut surélever le truc. Du coup, ça, c'est pas vraiment à cette place. Et c'est pour ça, en fait, que je t'ai dit... Essaye d'abord de caler grossièrement. Donc en gros, si tu dois faire une armure, si ça c'est l'épaulette. Attends, je vais d'abord tout effacer pour pas te niquer ton truc. Attends, oui, mais on n'y arrivera jamais, Jill. Bah, si, t'es fort. Pas avec moi. Peut-être que si j'avais une tablette et que je m'entraînais un petit peu, mais en vrai, c'est passionnant. Mais putain, j'ai zéro skill quoi. Voilà, une table. Hop, et en gros, ça ferait ça. Tu m'as mis trop de responsabilités. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ici, t'aurais été deux trucs. Oh, le dessin. Mais continue, essaie de continuer, je te dirai les défauts à la fin. Ça marche? Ah oui, exact. Il y a un masse volume en fait que je n'ai pas pris en compte. C'est pas grave, continue, on fera après. Enfin, on fera plus tard ou je te dirai ce qui va pas. Ok. Essaie de le faire tranquille. Que admettons que je reprenne. Kenny, vas-y, allez-y! Essayez de l'encourager un peu là et dites-lui du bien. Ne mentez pas. On va me faire full insulte un peu. Grosse merde! Mais non! Qu'est-ce que c'est que ça? Je dessine un truc, je suis en mode. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est des cornes, tu sais, c'est genre des espèces de pics bizarres. Ah, c'est ça! Tu vois, Kenny, t'inquiète pas, c'est pas mal, t'es au-dessus de beaucoup de gens. Et ça, je peux te dire que c'est la vérité. Pour une première, je suis fière de toi. Tu vois, oui, c'est une corne. Enfin, c'est une espèce de défense. Pourquoi il y a ça? C'est quoi ça? C'est parce que t'as cliqué sur... Oh, putain, il est trop bon ton cheval. Hey, c'est marrant ça, Zoulou. Wow. Ouais, il y a Kenny, j'aime tes fesses aussi sur le chat. Bah, il aime mes fesses, hein, pas de soucis. Hein. Pas de soucis, mon pote, on en parle. Hein. Non, en vrai, ça va. Je suis vraiment étonnée de ce que... Ça va. Non, mais j'y arrive pas. Je sais pas comment commencer. Une défense qui manquait un petit peu de... Ah, ok. Alors, attends. Attends, j'ai une idée. Non. Arrête. J'ai une idée. Dis-moi. I've got an idea, man. Yes. Alors, faut commencer ici. Parce qu'ici, ça fait un petit rebond. Là, après, on... Voilà. Attends, je t'enlève ça. J'arrive trop pas à dessiner là-dessus. Est-ce que tu veux pas la rapprocher et la baisser? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je suis un peu genre du père dans la manière de faire. Je comprends. Tu vois, ça ira peut-être mieux là. C'est mieux? Ouais, c'est un peu mieux. Voilà, je le savais. Okay. Là, les gens t'acclament. Hein. Les gens vraiment t'acclament. Gentil. Alors là, par contre, le spoil, c'est non, Max. Je sais pas si ils ont entendu dans le chat. Max, c'est non le spoil. Ça, par contre, c'est dégueu, Kenny. N'hésitez pas à vomir dans le chat, hein. C'est autorisé. Y'a aucun souci, les gars. Vous pouvez vomir. Ici. Non, mais ça va. En vrai, je suis fier de toi. En vrai, putain, ça va, c'est pas dégueu. T'arrêtes pas de dire ça, genre, pour me rassurer de ouf. Non, c'est bien ça, j'aime bien. Ça, tu vois, c'est bien. C'est une bonne chose. Tu commences à prendre le. Voilà. Genre, tu sais colorer? Non, pas du tout. Okay. C'est encore plus dur que de dessiner, je trouve. Ah ouais, ouais. Je sais pas trop, trop bien colorer. En fait, je colore d'une façon...
C'est beau, hein. En vrai, ça va. Ok. Avec, admettons, le bras qui part comme ça, c'est nul ou c'est bof? C'est comment? Non, ça va. Tu recaleras au pire, tu vois, tu couperas, tu recaleras si. Mais déjà, finis au moins le buste. Je te demande pas de, genre, de tout faire, mais fais jusqu'à la fin et on voit et je te dirai ce que j'aurais fait, enfin, comment on aurait pu arranger le truc. En fait, ici, on a. Mais c'est bien, genre, tu t'en sors bien, je suis contente. Pièce ici, attends, je vais dégager ça, ça pue la merde, ça. Vas-y. Ouais, je vais essayer de le faire grossièrement, on va voir. Oublie pas qu'en fait là c'est son torse et que son torse part du menton. Ouais, ouais. Justement, c'est ce que j'allais commencer à faire en fait. C'est ça. La petite pièce d'armure qui, elle, remonte jusqu'au mentonnes. Non, non, quand je dis que genre. Pour un mec qui a jamais dessiné, c'est bien. Genre, je déconne pas. Hein. Vraiment. Parce que j'ai toujours. Les gens disent oh, Jill, t'es trop sympa, il pue la merde. Oui. En même temps. Mais non, j'ai le défaut de dire tout ce que je pense. Donc du coup, quand je t'ai dit que par exemple ton épaulière, bah c'est nul parce qu'il n'y a pas de volume, je te le dis, tu vois. Mais c'est quand même bien pour. Non, te vexe pas, je te jure. En non, fait, je me vexe pourquoi, pas. Tu sais pourquoi ça t'ouvre un truc? Parce que tu as des boutons sur le stylet. Ouais. C'est pour ça que j'appuie en fait. J'essaie de. Ok, admettons. Et je suis sûr, oui, voilà, genre les gens de chat, ben disent, ben c'est pas dégueu du tout, sachant que moi j'aurais fait de la merde. Donc. C'est une bonne chose. Putain, mais il a un sein plus gros que l'autre. Mais non, c'est normal. Parce que qu'il est, on le voit plus. Oui, voilà, il est genre un peu de. Bon, après, ça se travaille, mais t'inquiète pas, c'est bien. Déjà, ton premier est très bien. Ça, je suis contente. Voilà, donc ça, c'est les plis du truc que j'ai fait parce que j'ai pas trouvé autre chose à faire. Pourquoi ne pas avoir fait un croquis du corps en même temps pour avoir les proportions? Parce que on m'a pas appris comme ça. Bon, enfin, j'ai appris à dessiner toute seule et moi je fais phase par phase. Je fais pas de croquis entier. Et le truc c'est que comme on m'a pas appris comme ça et comme j'ai pas pris de cours, je sais pas comment lui retranscrire le fait de faire tout un croquis. Du coup, moi je fais vraiment par détail direct en fait. Du coup, c'est un problème. Pas la bonne méthode effectivement, mais c'en est une. Donc maintenant, alors après, ouais. Je comprends rien à ce qui se passe en dessous. C'est. Oui, moi aussi j'ai eu du mal à comprendre ce que j'ai fait. C'est un bordel monstrueux. Là, tu vois, Vol'jin est dégueulasse. Là, Vol'jin, c'est. Basse. Surtout que c'est même pas Vol'jin avec ses défenses. Vol'jin a plus ses défenses, si je dis pas de bêtises, qui partent comme ça ou un truc comme ça, non? Il a pas des doubles défenses même? Genre comme ça et comme ça, je sais pas. Ah oui, la défense volumineuse de ouf. Oui. Mais c'est bien, je suis fière de ce que tu as produit, Kenny. Maintenant, l'autre ici, fais le reste. D'accord. D'accord. On va faire ça. Ok. Oh, les e-girls, vous arrêtez de vous chauffer sur Kenny, vous le stressez. T'es genre, t'es là, tu te sens. Ça va, tu te sens pas trop de pression? Non, ça va, ça va. Ça va, ça va. Surtout que, arrêtez de me mentir, c'est dégueu, putain, réalisé. Il me demande le chat pour avoir le dessin. Je l'avais posté sur Twitter, mon dessin. Celui c'est que j'avais, comment EC Jill sur Twitter. Oui, EC Jill. Et vous pouvez le retrouver. Vous allez dans médias, enfin, genre mes trucs que j'ai postés. Et il y a Vol'jin, enfin Vol'jin. Non, c'est pas Vol'jin. Hein, voilà. C'est pas de le dire, c'est moi qui dis Vol'jin en fait. Alors, ça l'est pas du tout. Oui, mais ça, en vrai, ça se tire de Vol'jin. Hein. Et un peu Dragon Ball vu les. Max, je vais me lever et je serai debout, donc fais gaffe. Mais vous pourrez le retrouver en fait. Merde, j'ai oublié un truc. J'ai oublié ici qu'il y avait du volume S. I forgot the volume. C'est bien. Ça fait combien de temps que tu dessines, Jill? Je sais pas, depuis petite, j'ai toujours voulu être dessinatrice, mais j'ai jamais pris de cours. En même temps, tu pues la merde. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est bien de l'admettre. Chiale maintenant. Bon, ça va. Qu'est-ce qui m'arrive, putain? Non. Vas-y, t'y arrives. Non, mais insulte-moi, parce que moi je suis trop gentil avec toi. Enfin, je suis trop méchant avec toi, toi tu es là. Allez, Kenny, vas-y, t'es le meilleur, moi je tue plus la merde. Mais non!
mettons. Moins. Plus ou moins, admettons que ce soit comme ça. Et là. Ah oui. There is little defense coming out. Like oui, this. Tu vois, c'est bien ce qu'il fait pour une première fois. Tu vois, t'es pas nul à chier, Kenny. Mais non. Nulle raison de chialer maintenant. Sèche tes larmes. Kenny, Kenny, le dieu du dessin. Ça, mais voilà, c'est ça que je veux voir dans le chat. Ouais. Si, si, j'ai grave envie de me faire insulter, mec. Évidemment. Kenny, ton troll a l'air d'être trop gentil, Kenny, comparé à celui de Jill. Serait-ce ton cœur d'artichaut qui te pousse à faire ça? C'est vrai que je suis quelqu'un d'attentionné. Tu fais bien de le dire, parlons-en. Pire. Il y en a un autre. Est-ce que tu fais ce dessin pour l'offrir à Julia Gameuse? C'est vraiment une vraie gameuse, quoi. C'est ça qui me plaît en fait chez elle. Les polières que t'es en train de faire, c'est pas mal. Ouais, c'est ok, quoi. Non, je suis plus contente de celle-là que de l'autre, tu vois. Oui, bah comment ça? Parce que là, on dirait plus une harpie. C'est okay. Avec ses ailes. C'est bien ce que j'avais fait. Oui, mais l'autre est mieux. Celle que tu viens de faire est beaucoup mieux. La première, comme je te dis, je suis honnête, il n'y a pas de volume. Donc ça fait plat. Ça fait genre... comme un peu Naruto qui court avec ses... J'adore ça. Ça, j'adore. Tu vois, Naruto court. C'est trop droit. Alors par contre, je sais plus comment on se déplace. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Le dessin va partir sur eBay. Bah quand même, les gars. Sachez que mes talents en dessin sont médiocres. Enfin, en tout cas, je vous apprends rien, vous le voyez depuis tout à l'heure. Mais non, mais c'est bien en vrai. Mais il a le même biceps que moi, c'est pas possible. Mais c'est pas méga musclé, c'est pas un orc, hein. Ah, je suis désolé, mais là, le bichir, là. Le solide. Elle est solide, le bichir, là. Oui. Là, c'est pas quand même le truc. C'est une brindille. C'est pas grave. C'est un début. D'accord, okay. Tu ne peux pas faire parfaitement parfait dès le début comme ça sans avoir rien fait. Tu es un Deus si t'en as envie, mais pas là maintenant, là. Ok. I am not a Deus, man. Non. Ok. Ok. This is good. Alors là, je lui ai fait un truc, mais il a un... Ça n'a aucun sens. C'est un... Putain. Non, mais c'est bien. Continue. Je vais me foutre en l'air avant la fin de l'heure. Non, il te reste 6 minutes. Combien ? 6. 6 minutes. 6 minutes pour mourir. C'est rare. Je vais essayer de faire un petit peu plus vers là-bas. Vas-y. Donc on va essayer de redessiner ici. Vas-y. Pourquoi t'as pas commencé par les formes simples pour créer des proportions normales? Je me répète, je suis pas prof de dessin, du coup je lui ai appris ma façon de faire. Et malheureusement, ma façon de faire, c'est pas ça. Et du coup, c'est mon problème. C'est le problème en fait qui fait que Kenny n'y arrive pas trop, mais qui y arrive quand même un peu. Parce que moi je l'ai pas appris comme ça. Enfin, en gros, j'ai rien appris du tout en fait. Je l'ai fait. Ok. Ok. C'est un or que Jamel te pousse avec son bras. Qu'est-ce qui te fait rire de mon dessin là? Laisse-moi tranquille. Ah, c'est rigolo ça. Je suis désolée, les gens. Vous amusez à vous moquer. Emma, c'est trop bien fait, genre. C'est insane. Et là, un zizi. On arrête. C'est de la grosse merde, putain, je me fais honte. Mec, je me fais honte. C'est toi qui as fait la tête.
En petite partie, oui. Comment t'as pu chier dans la colle ailleurs, quoi? Ça n'a aucun sens, j'en ai marre. Meurs, Vol'jin, meurs! Ah, par contre, si tu veux, je sais très bien dessiner elle de mort. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Vas-y. Attends, que je le fasse bien. Merde, bon, c'est pas grave. Il est loin. Du coup, on le voit pas très bien. Mais là, du coup, il y a sa tête. Alors? Écoute. Et là, attends, là, il y a Onyxia. Izera. Ouais, Izera. Alexstrasza. Parfait. Bilbo le Hobbit. Non, mais en vrai, non, mais j'ai honte, putain, j'ai fait. Mais non, regarde. Attends, il va revenir. Sois honnête avec toi-même. Je vais te demander, donc zoom un petit peu. Zoom un petit peu. S'il te plaît. Sois honnête avec toi-même. Mec, pour une première. En vrai, alors, je vais le montrer. On va le montrer avec ça. Alors, hop. C'est en vrai, ça, bien. Tout ça, je suis d'accord avec. Donc, sauf cette partie ici. Tu vois ce que je veux dire? Mais, genre, sans no joke, hein, ça, c'est plutôt pas mal, sachant que t'as jamais dessiné. Ici, j'aurais donné un petit peu plus de volume et j'aurais rapproché plus vers ici, en fait, si tu veux. J'aurais fait un truc un peu plus vers ici. Tu vois ce que je veux dire? Et même ça, c'est plus beau que ce que j'ai fait, donc du full 11. Et ici, ce serait parti à partir. Voilà, on aurait fait ça ici. Enfin, tu vois, en gros, t'as trop décalé les choses. Du coup, là, à partir de là, ce serait en gros pour son bras et on serait parti comme ça. Donc toi, tu t'es trop décalé. Okay. Ici, Kenny. Kenny. Non mais là, je me suis, j'ai Kenny. Pété un plomb. J'ai eu envie D'accord. de faire n'importe quoi. D'accord. C'est pas T'en très fais grave. Pas. Mais c'est bien. Mais en gros, ça c'est bien. Ça, je t'avoue, c'est pas mal. Hein, okay. Faut être honnête. À partir d'ici, alors, ce qui est bien, hop. Ça c'est bien, mais comme je te dis, rapprocher ici, ça aurait été bien. Le seul problème, c'est que t'as choke. Ça. Le bas ? Oui. Non mais le bas, là, les jambes, c'est fait exprès par contre. C'est full bolos, c'est fait complètement exprès D'accord. ça par contre. Mais le coup de là, j'ai commencé ça, j'ai fait ouais non, c'est nul, vas-y, on va faire des jambonos. Mais ça, c'est pas mal. J'aurais mis un tout petit peu. En fait, ton problème, c'est le volume en fait. Tu vois, le fait de rajouter juste ça. Ouais, mais en fait, le problème avec le dessin, c'est qu'il y a une grosse notion de pratique. Genre, il faut beaucoup pratiquer en fait pour être bon au dessin. Et je suis nul à ça, moi. Et là, t'aurais fait la flemme. Un. Puis full flemme de dessiner à chaque fois. Ah ouais ? Ouais. Genre là genre j'aimais beaucoup au début et là à partir de là là j'avais la flemme là. D'accord. Du coup il fallait que je fasse une pause. Ouais. Tu peux faire un ouais. T'as 5 minutes pour faire un troll. Ok. Alors comment je fais? Je fais genre nouveau calque. Oui. Et j'efface celui. Non merde, j'ai fait un groupe. C'est ça. Alors, un nouveau troll. En gros, si je pars, en plus ça va être ok, puisque. Donc ça va être la défense. Comme j'ai dit. Mais c'est intéressant du coup, mais c'est un truc que j'ai toujours voulu plus ou moins bien aimer faire, le dessin, mais j'ai toujours eu la flemme de pratiquer, et quand tu pratiques, tu deviens bon. Il faut aussi beaucoup regarder, il faut beaucoup consommer d'images. Quand tu dessines. Hein? Vous allez perdre la caméra juste 2 secondes, mais c'est pour le mieux apparemment. Parce que ce que je vois, ça va être pour le mieux. T'as 7 minutes. Ouais, en 5 minutes, c'est très compliqué quand même. Ouais. Ah! Putain, la cam, elle est bien ouais, mieux. C'est hein. Très compliqué. C'est incroyable ça! Qu'est-ce qu'il a fait? Waouh, un bon gros plan sur ta gueule. Arrêtez. C'est un peu bizarre. Salut les potes. Oui. Gilles, il a fait un gros plan sur ton nez. Pardon. Hop. Et c'est vraiment plus beau. Genre,
Ah oui, non, mais cette cam rend beau. Hein. Pictionary, c'est dessin, mimé, c'est essayer de faire comprendre à la personne en fait. Oh, je veux jouer à ça! En même temps, qu'est-ce que je voulais dire? C'est un peu clair, mais elle est habituée à la luminosité d'en bas aussi, la cam. Hein. Elle est réglée pour la cam d'en bas, et... enfin pour la luminosité d'en bas, et là on a la lumière du jour. Donc... Il te reste 5 secondes. Et tu as perdu! J'ai fait toutes les parties de l'orque. De l'orque du troll, pardon. En 50 minutes, et toi en 5 minutes, t'es même pas capable d'avoir. Je sais, Kenny, j'ai choqué, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un manque de talent, je suis meilleur que toi en fait. Je me doute. On est super déçus, toute la France est super déçue. Cette cam est trop stylée. Elle est insane cette cam par contre. Bon, je pars vraiment dans du rapide. Hein. Oui, du rapide. T'as pas demandé. Pas une scène complète. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, activer Windows. Ok, on va partir. On va dire que l'épaulière sera ici. Ouais, c'est ok. Après, il y a un petit peu plus de volume par ici. Là, t'as oublié un petit bout. Voilà, c'est bien, Jill. Tout le monde dans le chat est avec toi. Ah oui. Ils disent c'est bien pour une première fois. Tu vois, pour moi, genre croquis, t'aurais dû faire ça en fait. Mais oui, mais moi aussi. Mais c'est juste que vraiment. Genre, même si tu te. Mais j'ai pas l'habitude de dessiner ça en vrai. Je crois que j'avais fait plusieurs plaques ici. Hop. Oh, je fais n'importe quoi, hein, mais. À ce rythme-là, Jill, tu aurais bien avancé pour ton dessin animé. Bah non, je pense pas en fait, parce qu'en vrai. Non. Faut dessiner image par image, et ça, c'est qu'un croquis, c'est pas ce qu'elle veut mettre sur son dessin animé. Non, du tout. Hein, c'est... Là, je suis très, 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 très loin de ce que je veux. Hein. C'est ça qui est le problème, c'est que t'as ce petit côté un petit peu perfectionniste quand tu fais des choses que tu aimes qui te freinent pas mal dans ta production. Ah oui, mais clairement, là, c'est. Ça... Attends, on va faire. Ça les n'a yeux. Aucun rapport, mec, c'est tellement 600 fois plus stylé, même juste ça. Saoulé. Elle m'a full saoulé. Elle est trop forte. C'est pas grave, on fait ça. Oh, oups. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait pas un truc normal? Genre je fais ça et ça fait ça. Et moi je veux le prendre et juste tourner. Juste le prendre et faire ça. Enfin genre c'est trop chelou. Je comprends pas ce que tu veux. Ah c'est ça. Oui t'as pas pris j'ai pris le mauvais. Non j'ai pris le mauvais pardon. T'avais pris le tampon. Hop. C'est OP as fuck ça. Ok appliqué. Oui c'est pour ça je te dis c'est vraiment plus OP en fait. Par exemple, l'oreille, là, elle est trop avancée, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'elle a un petit peu trop avancé, ton oreille. Oui. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par continuer cette épaule. N'hésite pas, de toute façon, t'as le temps, t'en fais pas. Tu peux le faire. Alors, cette ombre... Ok. Voilà. Un dessin animé, en fait, t'es obligé de faire plus simple... Vu que c'est image par image, non, t'es pas obligé. Ça dépend. Tu dis ça parce que je pense que tu parles quand t'as une contrainte de temps, quand t'as une deadline. Étant donné qu'elle n'a aucune deadline, c'est juste quelque chose qu'elle aimerait bien faire. Alors non, tu enlèves ça par contre parce que ton dessin d'avant était pas beau, Jane. Voilà. Laisse mon dessin. Non, mais tu vois ce que je veux dire, je comprends ce que tu veux dire. Mais en 5 minutes, c'est chaud, mais. C'est vrai que celui de Kenny. Ouais, c'est bien joué. Ugi19. Attends, je l'écris. Dégage tous les calques. Là. C'est celle-ci.
Ah, il le voit pas, regarde. Hop là, voilà. Bien, tu dois avoir raison, Lyrinis. Ce n'est pas grave. Ce que nous allons faire, c'est que du coup, nous allons marquer une courte page de publicité. On va se retrouver avec un jeu avec cette tablette, notamment. Ouais. Ouais, c'est un Pictionary que nous allons faire. Oui, mais après, ça dépend. Je crois qu'il y a des Pictionary. C'est pas aussi... On m'a dit que ça se faisait aussi en mimant. Écoute, je te laisse 5 minutes pour continuer de t'entraîner à dessiner, parce que tout à l'heure, tu vas avoir du pain sur la planche. On se retrouve dans 5 minutes, sur la même, le même lien, même adresse, avec les mêmes personnes, mais avec encore plus de personnes. A tout de suite.